Yo, salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode 6 de Divinity, de Ego, donc Ego Draconis. Ego Draconis. Il est 13h09, donc on va arrêter vers 13h30. La dernière fois, tiens, le journal. Le journal, c'est L comme journal. J'en ai assez entendu avec le dragon. Ça, c'est quoi? Oh, c'est cool ça, j'avais jamais fait attention. À la poursuite du dragon. Ok, j'en ai assez entendu, il est temps d'aller s'informer, d'aller informer la commande. Oh, j'irai plus tard. Il faut que je trouve du gros gibier, je vais pas me laisser humilier par un chasseur. Donc je vais faire toutes les petites quêtes là sur cet épisode. Donc ça se trouve, ce sera un épisode soit de 10 minutes, soit un épisode de 3 heures. On va se faire toutes les petites quêtes, tout ce qu'on peut. Ah bah là, je peux pas, j'ai refusé d'aider. On a besoin de cochon ailleurs, même s'il refuse jamais, je crois que le lieutenant Louis sera satisfait de ma décision. Donc là, il faudra que je parle au lieutenant Louis. J'aurais pu servir quelques-uns des chercheurs qui gardent des vivres, ok. J'ai arraché un cœur de gobelin, ça c'est cool. Ok. Bon, alors on va arracher du cœur de gobelin, on va regarder la map. La map. Est-ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai. C'est dommage, je ne vois pas les quêtes que j'ai à faire. Bon, on va aller se faire la grosse boule. Je suis quel level là d'ailleurs? Niveau 5. Et j'ai une compétence crochetage. C'est vrai, j'ai une compétence crochetage. Go, go, go. Est-ce que je peux ouvrir maintenant? D'accord, super. Allez, oh, wesh. Je sais pas si c'est possible. C'est coincé. D'accord. Ah, ne peut pas être projeté. Super. Bon, j'en ai vu un autre par là, donc je sais où exactement, mais pas loin du village. Je dirais à l'autre côté en fait. Après, on va aller par ici là. On va aller se péter ces gobelins là. Ça va, tu vas te calmer. Ah non, je suis obligé de me taper la route là. C'est chiant ça. Ah, je peux passer. J'allais dire autrement, je déprime parce que je fais encore des détours. Trouver. Après, on se fait ça là-bas. Allez, on va voir ce que ça donne. Si je peux ouvrir. Donc là, toujours pas. Hein. C'est bizarre quand même. D'accord, en fait, il n'y a toujours rien là. Ouais, alors, ça, je sais jamais les routes, je sais jamais ce que j'ai fait, je sais jamais, etc. D'accord, je suis obligé d'être seul, je dis si je saute, je sais jamais. C'est ça. Bon, allez, on va passer par là. On va. De l'enfer. Oh, juste attends. Neuf. Ok, on va passer par derrière. Ça va être difficile. On va le faire en plusieurs étapes. Waouh. Niveau 2. C'était un jeu d'enfant. Oh bah là oui. Waouh. De mana. Oh la vache. Ah
chef gobelin, tu ne donnes rien. Toi, Que les totems Ah. soient loués, nous avons notre sacrifice. Oui. Préparez-vous à ripailler et à tout cramer, Il gobelins de la n'y a vallée. personne. Tu te sens pas un peu seul? Ah merde. C'était easy là quand même. Oh masque. Oh cool, objet de quête, je sais pas encore. Charme mineur, résistance magique, charme plus 2. Je sais pas ce que c'est. On verra plus tard. D'accord, je le renvoie en fait. Ok, je l'ai renvoyé. C'est cool. Bon, alors on va continuer ici. On va retourner là-haut. On va faire un peu tout. Je pense que l'objet de quête que j'ai, c'est pour le sanglier en fait. Pas encore. Oh, il y a du monde. That fail pour moi. Allez, allez, allez. Il est pris cher là. Gagner level 2? Potion de rétablissement limité. Elle génère 62 en mana en 5 secondes. Joli. Très bien. Joli. Ouais, très bien. Alors, je sais pas, mais ça pue du cul. L'hôtel est recouvert d'étranges runes, mais très peu sont encore lisibles. J'examine la surface. Après un examen attentif, vous découvrez un levier secret. Bon bah j'actionne. Vous descendez. Terminé. Je descends. Je vais où? Oh non. Ouais, je suis un peu le pouvoir là quand même, hein, mais bon. Je suis pas pur guerrier comme d'habitude, alors je suis pas habitué. Ok, on va aller à droite. J'espère que vous y voyez en fait. Ok, 90. Dextérité. Joli. Oh non! Ouf, j'ai mon pote. C'est un mage. Il est vide du coup. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a rien, il y a rien, il y a rien. Ok. Je peux pas prendre ça, d'accord. On va partir l'autre côté, l'autre porte. On va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Pas encore.
Ça règle le problème. Oh, c'est la fin, tu vas dépop, toi. Vas-y, dépop. Oh, bien, bien, la petite sauvegarde, moi, ça me plaît. Bon, ça va, je gère. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est vide, je regarde pas. Apprends à lire, Camille. Ok, bon, en attendant, je vais aller l'autre côté, carrément l'autre côté. Ça met plus de temps à monter, hein. Surtout que j'utilise tous mes XP pour les anticipations, donc. Je peux ouvrir, oui. J'ai bien fait de revenir, quoi. Ah, je croyais qu'il y avait une route en face. Bon, j'ai bien fait carrément de revenir, ouais. Eh non! Je reprendrai du verrouillage, du coup. Au prochain level. Je pense que je vais monter mon verrouillage à fond, comme ça je vais tout ouvrir, et puis je laisserai mes autres compétences, tant pis. Par contre, ouais, j'ai encore mon nouveau casque, là. J'adore le son... voilà, je sais pas, en 7.1 parce que bon, mais ça compense un peu. Pas encore. Mage de squelette. Bah, reviens. Par contre, tu viens? C'est où mon copain? Moi pas guerrier, hein. Oh, il n'est pas invoqué surtout, il est mort. Alors hop, je vais vous augmenter un peu la luminosité parce que je sais pas si c'est si c'est bien parce que je trouve ça oui je l'applique. Ouh, j'ai eu peur. J'espère que c'est plus agréable pour vous. Bon, par contre c'est un peu clair, c'est un peu juste, bon c'est pas. Ok, on va ouvrir là-bas. Cool, du minerai rouge. Ah, putain, j'ai dû en louper plein en fait, je sais jamais attention. Ah, putain, comment se perdre dans la grotte quoi. Vide, vide. Putain, sans déconner là. C'est quoi cette grotte de fou? Porte en fer verrouillé, je vais pas pouvoir l'ouvrir de toute façon, il y a un mur derrière. C'est coincé! Oui, bah oui, j'ai bien compris. Ah! Je peux pas déplacer ça! C'est ça que je voulais, moi. Joli. Vide. Vide. Peut-être. Mon avis remonte tranquillou. Ok, bon.
Ok, c'est vide. Bon, on finit tour. Oula, oula. Ah non. Bon, je reprends tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, faut que je relance tout. Même le PC. Allez. Yo, je me revoilà. Bon. Après de longues. Il est 13h33. Ouais, d'accord, j'ai dit que je vais arrêter à 13h30. Mais on va faire un tout gros épisode. J'en fous. Je sais pas là où je dois aller. Je sais même pas. Si, 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 j'avais pété, j'en suis. Parce qu'il s'est passé du temps, moi, au final. Tiens, tu vas. Tu attends, toi. Voilà, comme ça, le temps que tu reviennes, il y aura peut-être des combats, etc. Ça fera ça l'économie. Enfin, je m'en trouverai bien, quoi. Vous avez compris. What? Pierre de lune. Ok. Pourquoi? Ah, j'ai quand même pas fait un tour, là. Cadavre. Les gardes des mines. Je vais regarder ce qu'il y a là-haut. Il pourrait mettre des trucs. Ah bah, je suis complètement perdu. Ah bah. Je suis complètement perdu. Moi, sachant que là, j'ai vu la carte, je sais absolument pas où je suis, quoi. Alors, absolument pas. Ouais, vous savez quoi? En tant que grand paumé, je vais aller à droite. Je dis où? Eh, vous allez dire que j'ai pas de mémoire, mais je sais même plus si je l'ai fait. Si, j'ai fait. Donc ça, je l'ai fait. Celle-là, je l'ai pas faite. Tiens, je peux la faire. Et celle-là, je l'ai faite. Bon. Ah, c'est un totem. Bon, bah, on va aller voir. C'est coincé. Non. Sérieux. Je suis où, là? Là, d'accord. Ah, pourri. Bon, j'aurais dû vérifier en fait dès le début. Allez, on gaz, on gaz, on gaz. Je sais pas où. Bon, en tout cas, il n'y a plus de gobelins. J'ai des cœurs sur moi, le gobelin. Quête 2. C'est tout. Allez, ça. J'y vais. J'ai pas, j'ai pas. Rien. Ah, puis à chaque fois j'ai envie de courir. On peut pas se rater là-dedans. Donc là, c'est ça. Là, il y a rien. Donc on avait dit. Je vais vérifier vu que j'ai ma compétence projetée. Je crois que ça n'est pas suffisante, c'est ça. Ah bah si, j'ai ouvert. D'accord. Bon bah, on a fait le tour. On a trouvé ce qu'on voulait, c'est-à-dire rien. Et vu que je me suis perdu, c'est à gauche. C'est ça. Hein. Voilà, on remonte. Bon, on a fait un bon petit tour. Lapin. Je peux plus rien faire avec le lapin en fait, avec clic droit. Non. Ok, donc là c'est des passages dans les deux. Je vais aller dans l'autre après. Genre même maintenant. Ma colère sera terrible. Ouais. Ah, il y a encore des gobelins. Je voudrais du cœur de gobelin. Moi.
mots viennent. Bon, allez. Bah allez, donnez-moi des cœurs de gobelins, là. Ok. Ça va être facile. Par contre, pas de cœur. Bien, je t'avais pas vu. Je touche pas. C'est monstrueux. Bon. Allez, allez, on grimpe. J'ai plus besoin de toi, c'est bon. Là. Caverne abandonnée. Ça doit être une des trois entrées. Donc. Ah, maintenant que j'ai crochetage. Je suis désolé, je vais voir, hein, mais. Parce que je sais plus si je l'ai fait ou pas. Normalement, il n'y a plus personne. Ça. Je vais péter tout le monde. Et je crois que c'était nul en plus, il n'y avait vraiment rien. Mais j'y retourne quand même. Hein. Comme un gros naze. C'est chelou ça par contre. Ah bah non, c'est en dessous. Ah oui, putain, l'escalier là. Et là, c'est impossible, il faut une clé. La porte s'ouvrira pas. Ok, super. Moi, je vais venir. Allez, oh, oh, faut prendre super large pour monter l'escalier. J'hallucine. Oh putain, sérieux. Ça s'est abusé quand même. Un de plus à ajouter à ma collection. Ah oh. Alors. Protection, ok. Hein. Même si ceux qui auraient dit les avoir aperçus se comptent sur les doigts d'une main. Leur existence ne fait aucun doute. Ils se font dans la nature comme des fantômes dans les ténèbres. Ils vont là où leur nature change. Non. Ils vont là où leur nature changeante les pousse et recherchent sans trêve la protection de Dame Nature contre les barbares qui les défigurent de leurs nombreuses cités. La blesse de leur clôture et leur charrure. Les charrues. J'ai plus lire non plus. Aux endroits où des pionniers ont été massacrés par les fameuses pointes de flèche en forme de feuilles d'érable des rôdeurs sauvages, aucun humain ou même gobelin n'oserait reparaître. Leur armure ressemble en tout point à la faune et à la flore qu'ils défendent si ardemment. Couleur de terre et de brume matinale, elles permettent aux rôdeurs de disparaître dans leur environnement. Souple mais solide comme dans la peau d'un loup, elle est renforcée aux endroits stratégiques, tout comme la carapace du scarabée. Elle offre une bonne protection sans entraver les mouvements. C'est un truc de pur rôdeur en fait, et je pense pas que ça m'intéresse. Le mien doit être mieux. Pardon, j'étais long à lire au final, hein, mais. Hop, hop, hop. Je fouille, hein. On peut pas fouiller, on peut pas. Ah, bouquin, je peux pas lire. Super, je peux pas m'asseoir. Sans déconner, il y a que ça, quoi. Ah. Œil de tigre. Ah, ok. Bon, bah. Ouais. Ouais, pas de chance. Bon bah merci, c'était tout. Moi c'est toujours ça de prix. Juste regarder, comparer surtout, pardon. Là j'ai 1 en mêlée alors que je passe 0 en mêlée.
Et j'augmente le mana, alors que là, j'augmente la décision, j'ai une protection magique. Augmente le bonus de protection en mêlée de 6 points. Ah ! Bah si, elle est carrément mieux en fait. Équipé. Bon bah, désolé, mais là je vais passer en mode rôdeur. Casque de momie, tu vois. Bon, j'aimerais bien trouver un stuff de mage complet quand même. Ça pourrait être sympa. C'est dommage parce que là, je suis toujours je suis mage et je fais beaucoup de combats en tant que guerrier. En gros, je suis mage de guerre, quoi. On va dire, même si c'est pas ça. Là, j'ai dit que c'était pas possible. Ok. Oh, pas ouf, je suis naze. Quelle heure il est, 13h44. Oh, ça va faire un super gros épisode en fait. Il me reste quoi en quête à faire? Il vous faut trouver un gros gibier. Je ne vais pas me laisser éminer par un chasseur arrogant. Un chasseur arrogant et son énorme sanglier. Ok. Louis m'a demandé de faire évader des bandits du nom de Ma. Où se trouve? Ok. Et le butin de Louis. Quand je visiterai la tour du seigneur Levis. Ah la vache! Ouais, je crois qu'on va le faire en plusieurs épisodes, hein, parce que là, j'ai encore plein de trucs à faire. Et là, ça fait vraiment l'épisode de 3 heures, sinon. Et ça va être abusé. Je peux tomber? Ouais, je peux tomber. Tac. Tac. C'était quoi, ça? On sait rien, c'est mon imagination. Bon, on va aller voir l'autre côté. Il faut pas que je me coince. C'est vraiment con. Oh, cool. Un de plus à ajouter à ma collection. Ok. Bon. On passe l'autre côté, on regarde vite fait ce qu'il y a. Ouais. 9 PX. Un tronc d'arbre trop chelou. Je peux aller au-dessus là? Hop. Ah, excusez-moi juste quelques instants. Hop, je me replace les casques. Je puis ou je ne puis pas? Mais c'est complètement inutile apparemment. Bon bah j'ai réussi à y monter déjà. D'accord, ok, bah descend, on s'en fout. Je prends pas de dégâts de chute, ça c'est bon. Jusqu'à quelle limite? Ah! D'accord. Bon, je suppose que faut voir plus tard, ce sont les Draconis. Hey, salut! J'étais sur le point d'aller vers la tour. Mais que fais-tu ici? Je m'ennuyais, je peux vous accompagner jusqu'à la tour. Je visite cette vallée. Je visite cette vallée vraiment magnifique. Je m'ennuyais, je peux vous accompagner jusqu'à la tour? Désolé, mais on a des ordres. Tu sais de quoi la commandante Rhode est capable quand on ne les suit pas à la lettre. Fais ce que tu dois faire. On se retrouvera bien assez vite. À bientôt. À bientôt. Est-ce que je peux lire dans tes pensées? 33. Tu as entendu la commandante. Alors au boulot. Ok, très bien, bon bah... Je regrette, mais vous ne pouvez pas passer. Marius a ordonné de ne pas vous laisser passer sans le feu vert de la commandante Rhode. Très bien. Eh bien... Bon, pour les quêtes annexes, je sais pas où on en est, il me faut le plus gros gibier. On allait jusqu'au bout là-bas, je sais déjà plus. Oui, on allait jusqu'au bout. Ok. Eh bien, moi, je vous donne rendez-vous pour l'épisode suivant. Je pense que je vais aller au village directement sans vous. Ouais, parce qu'il n'y a plus rien à faire, là, j'ai tout pété. Faut juste que je regarde pour trouver le plus gros gibier. Et puis voilà. Allez, rendez-vous pour la suite. Ciao tout le monde. Ouss.